Et salut à tous, c'est Vince et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Donc là, on va se faire un pack opening avec un coffre géant et un super coffre magique. Donc on se retrouve tout de suite lorsque on est prêt. Voilà, donc on est parti pour un pack opening 100% gratuit. Donc c'est que du gratuit. Alors j'ai chopé un coffre géant et puis tout d'un coup, combo d'après, un super coffre magique, mon premier. Donc on va se le gemmer. Donc on va commencer tout de suite par un pack opening avec le géant. Donc c'est parti, pack opening 100% gratuit. Alors, niveau gold. Ouais, c'est pas mal. Enfin, moi, je suis content. 9 taux de l'enfer, c'est dommage. Ça, c'est bien, ça, par contre. Ça, c'est bien. Et masse. Les flèches en full. D'accord, donc c'était pas mal sur tous les mousquetaires. J'ai vraiment bien aimé. Et on s'attaque avec le gros super coffre magique. On sera peut-être une game si la vidéo est trop courte. Alors, super coffre magique. On va faire un petit screen parce que c'est mon premier. Hein, donc, 3000, c'est dommage. 8 tours de l'enfer, on s'en fout. Un miroir, on passe level 2. Un poison, on passe level 2. 13 cochons, ça c'est bien. C'est super. 359 chevaliers, d'accord. Donc, oulala. Et le reste des épiques. Oui, je le joue. Ça peut sembler bête, hein, mais je le joue. Donc, dans mon deck, là, dans tous mes decks. Alors là, déjà, on va le faire une petite amélioration. Le squelette géant, qu'on va pouvoir même améliorer level 4. Ma première épique level 4. Donc là, on est content. Là. Ah ouais, dommage. Bah, dommage pour le légendaire. Mais au moins, on a fait un super beau pack opening. On a eu de la gold aussi. Bah oui, on a eu du gold avec ça. Donc, le dragon, on va pas se l'acheter. Mais on a pu faire un coffre géant et un super coffre magique. Donc alors, bon, je fais pas trop durer le suspense. Mais alors, ça, c'est bien ça. La mousquetaire aussi qu'on a pas mal gagné, le chevalier, mais ça on s'en fout. Je suis vraiment content pour le squelette géant. Dommage juste pour poison et miroir. Donc ça va, hein, mais genre j'aurais préféré avoir plus de squelette géant et enlever le poison et le miroir. Mais ça c'est bien ça. Pour l'améliorer level 4. Alors ça c'est vraiment vraiment super bien. Donc on va se tenter une game tout de suite avec ce deck là. J'ai un deck prince ténébreux que j'ai créé moi-même. Hop. Voilà, donc super content pour qu'on ait RN7. On va pouvoir reprendre les coffres. On va faire un petit cochon esprit de feu une fois que tout sera chargé. Mais RN7, c'est chaud, hein, je dois vous dire. Je suis descendu plusieurs fois RN6 avant de trouver ce deck qui est voilà, pas mal, mais ça reste quand même chaud. J'ai voulu prendre le gobelin, j'ai même pas pris. Heureusement, avec cette carte, on a pas mal de défense, hein. La horde de minions qui fait bien. Je sais pas s'il a les flèches ou s'il a pas le zap ou j'en sais rien du tout. On va quand même tenter de faire un petit peu mal. Ça marche. On met la tour à 800. Alors la mousquetaire, je sais pas trop comment gérer. On va mettre ça. Parce que là, je prends en principe qu'il a utilisé 4 d'élixir pour la mousquetaire et 4 pour la valkyrie. Moi j'en mets 6. Ça revient en BNF. Et mon squelette géant 3. Ah, je suis vraiment content d'avoir pioché. Il y en a qui peuvent dire le squelette géant c'est une carte pourrie. Mais non. Hein, parce que je la joue, c'est pour ça. Je l'aurais pas joué. Non, ça me fait terminer un coup. Je l'aurais pas joué, évidemment. J'aurais pioché armée de squelette, je joue. Ça peut sembler. Oula. Ça peut sembler dément, mais je joue l'armée de squelette, tout ça. La carte vraiment que j'aurais. Enfin, j'aurais pas voulu piocher sort de foot, sort de rage, sort de gel. Je pense que vous en doutez, mais c'est pas pour moi ça. Alors, prince ténébreux, comment ça marche? Aïe! Ah, bien joué, beau freeze. Freeze, hein, je me croise dans Boom Beach. Hein. Ah, il gère mon combo. Je crois que c'est le cochon qui lui fait le plus mal à lui. Il va mettre un cochon, ça c'est sûr. Et il a loupé son freeze. Alors j'étais concentré, c'est pour ça que j'ai pas parlé beaucoup. On va faire une petite technique. Je vais te mettre prince ténébreux, squelette géant. Oui, ça marche. Mais il faut absolument avoir les doubles tirs. Alors je sais qu'il va mettre son petit sort de freeze et je vais mettre un cochon aussi. Il y a beaucoup de monde, hein. Maintenant tout ça c'est qu'on met du peuple, et mine de rien ça fait du peuple d'un moment. Boum!
Oh là là. Non, je suis concentrée là, excusez-moi de pas parler. J'ai pas mis un squelette géant. La bombe va pas exploser ou quoi? Non! Oh non, je sais pas si je... Oh, j'ai dû mettre un prince au lieu d'un squelette géant. Évidemment, le misplay qui coûte la partie. On va sauter un dernier combat et puis si on loupe, hein, c'est pas grave. Pas tout gagner en plus. Oh, la reine 7, c'est compliqué. Moi, je sais pas si vous avez des decks ou. Voilà, parce que moi. C'est compliqué, comme je vous l'ai dit en début de vidéo. Reine 7. Vous avez exploré encore? Si vous pouvez détruire cette cabane. Excellent! Cochon. Il y en a le zap. Waouh! Tous les coups qu'il a mis, il est bien. Je suis content. Je suis obligé. Il va falloir qu'on se défende contre ça. Heureusement. Ah, je pensais qu'il allait mettre qu'un coup. Ça, c'est dommage. On va rien faire s'il met un truc pour empêcher. Oh, il a même pas tapé. Alors, je sais pas si l'autre savait que que mon prince Ténébron n'allait pas taper. Ah, donc il joue vraiment spawn, hein, donc ça. Qu'est-ce que vous voulez que je lui dise? Faut pas lui laisser le temps de poser des. Ouais, ça, je crois que c'est la solution d'aller d'expo, hein, de pas laisser à l'autre le temps de. Yes. Alors, il veut leur poser sa stratégie spawn et nous on va pas trop lui laisser. Ah dommage, le cochon n'a pas mis un seul coup. Rien, t'es sûr? Donc, j'espère que vous m'en voudrez pas trop, que je me cause pas tellement. Parce que quand on est concentré, on cause pas beaucoup. Donc, je sais qu'il va mettre ses flèches. Ça pourrait déjà faire mal aux géants, ça fera plaisir. Après, c'est Nébreux, fonce dessus. Là, on va défendre plutôt qu'attaquer. Mais on va quand même mettre la pression pour pas trop qu'il prenne ses défenses pleines, parce que sinon, de toute façon, là, il a plus le temps de rien. Pour montrer que je l'ai quand même amoché. Ouais. Donc une game de perdu, une game de gagné. Donc là, est-ce qu'on reprend les trophées? Je pense pas qu'il y en avait tellement à la clé. Ouais, voilà, 21. On a gagné le petit coffre, ça fait plaisir. Donc ça va être la fin de la vidéo. Hein. Toujours content du pack opening. Ouais, vraiment, vraiment. Mais si on dirait pas, regardez, je joue dans ce deck là. Dans ce deck là, alors ça fait toujours plaisir. Ici, c'est un deck, voilà. Donc toujours content de ce pack opening. Voilà, ça va être la fin de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire sympa, laisser le petit pouce bleu, aller voir la chaîne de mon pote AGN, Ayam AGN, que je mettrai certainement dans la description. J'espère que c'était pour voir beau pack opening, 100% gratuit, je précise. Ciao tout le monde, dans une prochaine vidéo.